في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مجددا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. مرحبا أسامة، هذا الرجل اليوم من باب الأبراج أمريكا. قد دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك اسمك العظيم أن ترزقني طفل من Pour l'extrait, alors Roxane, le réalisateur, évoque un véritable cauchemar, on le comprend bien, et pourtant on est loin de la fiction, hein, faut le rappeler. La vie de la famille qui est filmée tourne autour de la préparation donc, des enfants pour devenir des combattants de Daesh. Oui, c'est ça, en fait, on voit dans ce documentaire que les enfants ne vont plus à l'école, qu'en fait, ils jouent à la guerre, mais pas pour de faux, vraiment pour de vrai. Par exemple, on les voit fabriquer des bombes artisanales. On leur inculque aussi une sorte de mépris vis-à-vis des femmes. C'est l'autre angle du film qui interpelle, évidemment. Le père réduit la mère des enfants à son rôle reproducteur, et les petits garçons, quant à eux, eh bien, on leur apprend à jeter des pierres aux petites filles qui vont à l'école. Un film très très dur donc, et qui n'a rien de fiction, même si on a nous-mêmes du mal à croire ce que l'on voit.